raconter. Beaucoup de choses, ça se passe dans le monde. Journée mondiale des migrants. Cette journée mondiale des migrants, vous le voyez comment et que pensez-vous? Plusieurs centaines de milliers de gens, même tout ce qu'ils avaient. À cause de quoi? À cause des guerres. Les guerres de notre époque, et ce sont les guerres de pétrodollars, et pour gagner un peu plus des grandes compagnies internationales qui pourraient arrêter cette guerre qui passe à droite et l'autre guerre qui passe à gauche, mais on ne fout rien. Pourquoi? Puisque c'est le marché, malheureusement, des gens qui profitent aux autres. À l'époque, il y avait des esclavagistes. Et maintenant, une autre méthode d'esclavagiste, c'est les conflits et les guerres. Et jour après jour, on détruit des pays et les gens qui n'ont plus leur toit pour vivre et quittent leur pays. Les migrants, de temps en temps, c'était immigration politique. Les gens qui avaient des problèmes politiques chez eux, leur vie était en danger à cause de leur opinion. Mais actuellement, la plupart des immigrants sont des immigrants, on peut le dire, économiques. La maison détruite, la ville est détruite. La famille déchirée, qu'ils soient en Syrie, l'Irak, Yémen, ne sont pas encore venus de ce côté-là, mais Libye, Mali et d'autres pays, Afghanistan, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'Occident, qu'est-ce qu'il peut faire? L'Europe, qu'est-ce qu'il peut faire? Comme vous avez pu constater, journée mondiale des migrants, on a beaucoup parlé depuis ce matin. Et vous avez entendu des choses pour ça. Vous, que pensez-vous à ce sujet? Vous pouvez vous exprimer. Je me rappelle quand j'ai invité mon ami Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, la majorité des personnes qui intervenaient étaient contre l'immigration, sur cette antenne, sur notre antenne, bien sûr. Mais je ne crois pas que l'humanisme est encore mort. L'humanisme peut rester dans notre cœur, dans notre tête, et penser aux autres, et donner un toit à celui qui n'en a pas. Abbé Pierre n'est plus parmi nous, mais il a fondé une association, une fondation. Cette fondation, comme fondation de CIMAD, comme d'autres associations qui aident les pauvres gens ou les immigrés existent, secours catholique. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et tout le monde a envie de venir en Europe. Et surtout, leur cible, la plupart des fois, c'est la Grande-Bretagne, Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne. La France est très pauvre. C'est les intellectuels qui viennent ici. Les gens qui ont une expérience familiale ou personnelle de la culture et de la civilisation française, ils viennent ici pour trouver la liberté, égalité, fraternité. Mais pour la plupart, ils ont envie d'aller ailleurs. Actuellement, la situation en Grande-Bretagne, en Allemagne et d'autres pays européens, n'est pas comme avant. Avant, il y avait une facilité d'accepter les immigrants, et surtout au couvert social, également logement, l'argent de poche. Je me rappelle que dans certains pays comme Suède, Hollande, Pays-Bas, Allemagne, Germanie, Grande-Bretagne étaient meilleurs que d'autres pays. Mais actuellement, ce problème d'acceptation des migrants
et mettre à la disposition des facilités, c'est presque universel, et surtout avec le règlement de communauté européenne. L'Europe, maintenant, s'est unie, et on essaye de unifier certains règlements également concernant l'immigration. Alors, Journée mondiale des migrants, ça peut être un de nos sujets de ce soir, que vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20. Et n'oubliez pas que nous sommes diffusés sur DAB, et je ne sais pas si vous avez pensé à vous faire offrir un poste DAB Plus pour Noël. C'est-à-dire, vous faites cadeau à vous-même. Achetez cette poste est numérique, radiophonique. Ça peut être utile et nécessaire. Et le son est différent. Et surtout, vous pouvez nous écouter 24 sur 24 sur DAB+. Voilà, bonne idée. On fait cadeau aux autres, on va faire cadeau à nous-mêmes. Je ne sais pas combien ça coûte, mais acheter un poste numérique, ça change beaucoup de choses. Vous avez accès à beaucoup de choses. Notre radio, ici, maintenant, vous pouvez l'écouter. N'oubliez pas que nous sommes sur 95.2 FM. Également, sur l'Internet, en tapant ici et maintenant.com, vous pouvez nous écouter. Et n'oubliez pas que vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. David Abbasid avec vous. Si on va chez Avesta. Restez avec nous, mes chers amis.